En cas de manque de neige ou de quantité insuffisante pour envisager la saison dans la durée, il nous faut agir. C'est pour cela que nous devons renforcer l'enneigement naturel en fabriquant de la neige. Nous appelons nivoculteur ou snowmaker, en anglais, le personnel qui fabrique la neige de culture. Aux Angles, une équipe de 5 nivoculteurs se relaye par binôme, 24 heures sur 24, pour la maintenance et la production. L'objectif principal est de produire de la neige pour assurer l'ouverture de la station, suffisamment tôt, mais aussi permettre d'allonger la saison. Aussi, la fabrication a un coût énergétique, et dans nos objectifs écologiques, nous souhaitons maîtriser et optimiser ces exploitations. Rien ne sert de produire trop. Il faut produire juste. Pour produire de la neige, il faut de l'eau, de l'air et du froid. Le principe de création de cette neige de culture va être la fabrication de micro-grains de glace qui, au contact de l'air ambiant froid, vont se transformer en petits grains ronds de neige. Dans les usines, on trouve des compresseurs puissants qui acheminent de l'air vers les 400 canons à neige répartis dans la station. L'eau de production est puisée dans le trop-plein du château d'eau et elle est stockée dans des retenues collinaires. Elle est acheminée à l'aide de pompes par un réseau de tuyaux souterrains. Aucun produit n'est ajouté pour la fabrication de neige. À la fonte, elle se restitue tout simplement au milieu naturel. Dans les usines à neige, l'automatisme est intégral. Mais c'est la sensibilité et l'expérience de ces hommes qui permet l'élaboration de neige de qualité. Aussi, il n'est pas rare qu'ils bravent le froid de la nuit sur une motoneige pour se rendre compte au plus près de la qualité de la fabrication. Les nivoculteurs sont des techniciens expérimentés et toujours formés aux dernières technologies. L'usine à neige des Angles, c'est la garantie d'offrir aux skieurs le pouvoir de profiter le plus longtemps possible des joies de la glisse.